dit-il ? Bah, on attend un peu que les joueurs se libèrent. Oui, sur plusieurs tournois, voilà ce qu'il en coûte. Ah bah ça c'est la faute de Lee Kinsella, hein. Il est trop bon à plusieurs jeux. Trop de niveaux partout. Polyvalence est là, on reconnaît, on salue effort. Et donc il va être rejoint par Naino en Final Winner. Final Winner, d'accord. Bon, est-ce que tu connais les deux joueurs ? Kinsella un peu, ouais. J'ai eu l'occasion de le voir pendant le tournoi là. Je suis sorti, je suis trop mauvais, bon ça c'est une autre histoire. Mais non, tout va bien. Non, c'est bien, c'est deux bons joueurs. Je crois que c'est un des deux petits de Jaco, ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Ah, c'est tout à fait possible. Je crois que c'est. Alors si c'est pas Jaco, c'est Sin. Si c'est pas Sin, c'est. Non, pas Viken. Viken, non, c'est pas. Non, et du coup, ça va être sympa. Franchement, il y a bon niveau partout là. C'est quelque chose de plutôt sympa. Il y en a un qui se ramène là, je crois. Ouais, et en attendant, je vais poster le challenge pour Guilty. Comme ça, vous pouvez suivre avec nous le déroulé des matchs. Donc en loser, en fait, on a Zéro qui attend avec impatience le perdant de ce match. Très bien. Et on a donc Link qui s'est fait fêter par... Fessé par Zargat, très probablement. Et donc il est de retour. Très bien ça. On est de retour. Donc Link qui est en P2. Naino en P1. Allez, bienvenue dans l'arène. Venom contre Sin. Très bien, un peu plus de zoning chez Venom, ça promet. Et c'est T, très bien. Ah mais la musique de Guilty toujours, mais... Ishwatari-sama au sommet. On l'attend en tournant pour l'OST de Guilty 2020. En intraveineuse ce jeu, en intraveineuse. Bah de toute façon pour être compétitif à ce jeu, il n'y a pas trop de choix en fait. On est bon ? On est bon, on signe qu'on est bon. Nous sommes bons, serrage de main et après pétage de gueule. Let's go ! Versus Sin. Get ready to rock. Allez, on y va. Final winner, Link Exelo contre Naemo. On y va. C'est parti. Tout dans la garde. Attaque première de Sin qui commence bien. Il connaissait BNB. Mise au coin. On envoie. Burst de Venom. On est dans la défense. Niveau plutôt équilibré entre les deux. On n'est pas trop mal. Dessus le pressing de Naemo, incroyable. T'as Burst de l'autre côté, ça envoie aérien. Naemo qui prend le dessus, le zoning qui gagne contre Sin. Sin, si tu gères pas sa satiété, tu gères mal le perso. Pas mal. Allez, hop, premier round, on envoie. Allez, hop, mise au point. Dommage, Sin avait l'initiative au début. Ah, reprend, très bien, on échange. Dust. Très bien, prendre le dessus. Allez, premier point pour Naemo.
Naemo. Naemo. Naemo. Je sais pas, je l'ai fait un peu à l'anglaise. Allez, on y va. Alors, en fait, c'est Naemo. Naemo. Ah, j'ai cru Naemo. Ah, Naemo. Ah. En même temps, je me dis rien aussi, là. C'est quoi cette régie? Bah, je viens de le dire. Très bien. Correction est là. Burst chez Sin. Link a la pression là, comme ça. Il essaye de donner tout ce qu'il peut. C'est chaud. Alors burst de l'autre côté. Il garde la mise en coin. Le pressing est présent. Très bien l'aérien là. Super. Et slash. Ok, premier round. Très bien, l'initiative qui est là, le zoning est présent, il a plus d'allonge, on envoie. Pressing, pressing, on envoie, ça sert. Hop là, reprise de Link. Voilà. De la reburst. Un homme complètement présent. Fury là dans la garde. Sin qui reprend derrière. Il se libère du point. C'est très bien. Un homme qui remet la touillance. Et voilà. Premier match fait. Et donc, Link Excello va rejoindre Zero en loser bracket. Et Naeno va pouvoir se reposer un peu avant la grande finale. On temporise un peu. Et donc voilà, Link Excello reste sur place, Zero arrive. Zero entre sur le terrain. Ah là, Zero qui a une Jaco absolument pas dégueu. Il gère très 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 bien, c'est mignon, ses points de spawn, tout y est. Très solide sur les appuis. Jaco, quand on la laisse faire un peu trop longtemps, ça devient ingérable. Envahissante au possible, vraiment. Et c'est ça qui fait le sel du perso, c'est pour ça qu'on la kiffe. Avec ses shop space et tout ça, y a moyen de se mettre tellement bien. Allez, Villa Vampire. Non. Ah, le choix de la musique, super important. C'est vital pour certains, c'est vital, vraiment. Jaco Sin. S'il a une bonne allonge, s'il y a moyen de taper les points de spawn, ça pourrait pas être dégueu. Allez, on envoie, très bien. Il a posé déjà un point de spawn pour les filles. Pour le point de spawn des kicks, on envoie. C'est parti directement Dust et bursté direct. Les trois points de spawn sont posés, donc maintenant il a plus qu'à temporiser jusqu'à ce que je pense à laisser envahir par les autres minions. Mais il gère ses combos à côté. On envoie, c'est redusté, combo aérien, on envoie. Pute. Et c'est vers le sol directement, accueilli par les minions qui... Non, la chop, c'est relancé, envoyé. Chop, la super en chop qui ne passe pas, il saute derrière. Mise au coin de Sin. Très bien, roi cancel, très bien. Aérien. Il connaît ses phases. Oh, bien joué, il reprend le point de spawn du slash, il envoie, il reprend derrière et le round. Alors que Nick Excello avait très mal commencé le round. C'était pas bien parti, hein. Il laissait faire ses phases, il a su s'en sortir derrière, c'est bien joué, finement joué. Très bien, bah oui, il pose derrière, écoute, il profite de la distance, il profite du temps où Sin... remplit sa satiété, très bien, moi t'en profites pour spawner, écoute, hein, c'est tout à ton honneur.
Allez, on envoie derrière. C'est 2-C. Il reprend derrière, il fait temporiser pour laisser apparaître des mignons. Il recrache derrière, vers le bas. Et t'as les mignons derrière qui sont là pour réceptionner. Alors, c'est la garde derrière, c'est renvoi. Ah, première qui passe. Jaco qui recommence la phase. Non, c'est bursté. C'est bursté, bien joué. On envoie, c'est la furie. Pas mal. On n'en a rien. C'est serré. Là, ça se regarde un peu. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'un et l'autre. Il met du pressing derrière et il a raison. Ça fait venir les mignons derrière. Mais c'est contré. Disparaissent. Alors du coup on s'est fait, non, très bien, on s'est repris pour égalisation de Jaco. On voit quelle ambiance à l'arrière aussi. Ah oui, non, il est tout partout. C'est la dose tout simplement, là, c'est, on y va. Alors, prend derrière le combo, très bien, on se fait un deuxième point de spawn. C'est finement joué, on envoie derrière, c'est 2-C, c'est, on n'en a rien. On fait ça, on s'est spité pour bien mise en coin, réception des mignons derrière avec le troisième point de spawn qui est enclenché, bursté, très bien contré, ça c'est anticipation, ça c'est pas mal derrière, mais Sin qui reprend, c'est bursté en nouveau, on se libère de la chose, mais Sin qui n'en démord pas, et c'est le premier point pour 0. Allez, reprise. Alors du coup, est-ce que Sin va pouvoir les jouer un peu plus fine? Très bien, les deux points de spawn sont déjà posés. Derrière, tout est dans la garde. Il a voulu faire le delay un peu pour duster derrière, mais ça ne marche pas. Très bien, Sin qui sort de la phase. Non, c'est whiffé derrière, mais... Ah d'accord, ça peut se derrière. On pète les points de spawn, il a raison. Fait ça très bien, le combo est là. Bon, petit jeu aérien. Alors ça fait sa tente. Non, c'est à côté, ça passera pas. On fait ça, il essaye d'en trouver la situation, mais il était trop près, c'était trop loin, ça ne voit pas. Oh c'est 2-C, très bien, truc aérien. Donc on fait ça, on temporise très bien. Vers avant, le point de spawn, donc oui en effet il y a de quoi être réceptionné. Mais s'en sort, chop spé, de face, c'est bursté et c'est pris pour Link qui reprend le round. Très bien, on envoie. Très bien, premier point de spawn, posé, le BNB, il est là. On envoie. Tout dans la garde, la mise au coin, le pressing. Le pressing est là, la shops derrière. Ah, Zéro qui essaye de se reprendre, mais ça passe pas. Il y a une occupation de l'espace qui peut être à son avantage, mais s'il ne lâche rien, vraiment, bien joué de la part de Netflix Zélo. Les envahisseurs. Non, on serait bien libéré. Très bien. Spitz. Point derrière. Très bien. 2-C. On temporise et il a raison de le faire. C'est tout pour lui. Il a tout pour lui. Les minions sont là pour réceptionner à l'arrière. Mais il reprend ses phases. Il reprend les mêmes phases. Donc lui, il voit le délai. Il reprend derrière. Ils se connaissent l'un et l'autre. Oh, Chopspé, c'est gagné pour... Zéro qui prend son premier round, égalisation, qui est parti. On va voir lequel des deux va affronter Naino pour la grande finale. Parce que là c'est une balle match pour Zéro. Balle de match pour Zéro, oui, bien vu. Point, 2-C, un aérien. Temporise comme il faut, c'est tout pour lui. Réception au sol. Buff de ses mignons, mais c'est pas passé, il reprend le dessus. Il prend le temps de casser une croûte avant de reprendre. Dusterien, la mise en coin de l'autre côté. Il a bien raison pendant la mise au sol, il se remet en forme, il pourra rebalancer ses combos. Les mille mains, les mille mains, on envoie. C'est... Ah, c'est serré, non, c'est
Sin qui reprend derrière. Il refait le pressing et c'est bon, le point qui reprend. Le un petit partout. Lot qui passe. Le lot qui passe un partout. C'est très bien. Oh là là, Sin qui prend derrière, c'est bursté. Il a peur, il a peur, il met la pression là. C'est ça y est, c'est ça joue gros là, c'est pour certains. Faut prendre le dessus direct, sinon c'est la mort directement. Allez, c'est parti, le dust aérien. Put, réception derrière. Les minions qui peuvent attaquer derrière, ils n'étaient pas assez. Le troisième point qui n'était pas posé, maintenant que c'est fait. Sin qui reprend derrière. Je fais son bon combo. On voit, il n'a pas eu le temps de se faire emmerder par les minions. De toute façon, si c'est déjà défoncé par Jaco, aucun n'apparaîtra, ça sert à rien. Il détruit un point de spawn. Et premier round pour Link X Zero. C'est fait. Allez, on confirme maintenant pour ce round. Balle de match pour Link X Zero. Très bon point. C'est un point de spawn qui est pété. On refait le deuxième. Il a bien fait de le prendre de celui qui vient de se lancer. Parce que c'était trop fragile pour l'autre et c'était plus grand chose. C'est bursté. On split, on remet en coin et il a raison de le faire. On envoie la maison. Allez, la passe, la combo, les minions. Ah, c'est pété, dommage. Il a pété deux points de spawn. C'est très bien pour lui. La furie dans la garde, la chope fait derrière. Un round partout. Double balle de match. Double balle de match, bien vu. Allez, on y croit, on y croit. La cote est serrée sur Betclic. Ah, la shot qui whiff. Ici, il a raison, on reprend derrière en cross-up. N'en est rien. Counter sur l'un des deux. Un point de spawn qui apparaît. On l'envoie, on anticipe. On envoie les minions. Non, c'est tapé. C'est tapé, c'est tapé. Comment point, c'est aérien. À la raison d'anticiper quelque chose, fait de mettre la zone, ça marche pas, ça se met en coin, c'est dommage. Sin qui en profite et il a raison de le faire. C'est envoyé derrière. Alors, qu'est-ce qui va passer? Ça a eu un burst là, je crois. Hop, c'est chopé, envoyé en coin. Et là, Schwab qui whiff et il a raison. C'est fait pour Link X Zero qui va rejoindre Naino. C'est la fin pour Zero. Bien vu, bien joué, bien serré ce match. C'est Sin qui prend la main pour rejoindre Naino. C'est fait. Allez, pas de temps à perdre. Naino qui va s'installer. Naino justement qui a pu se reposer un peu, voir un peu le plan de jeu de Link X Zero. Voilà, il a raison, il se temporise, il prend ses esprits, il regarde le plan de jeu, il se fait son mind en tête. Allez, c'est parti, grande finale du tournoi entre Naino et Link X Zero. Naino qui est donc en winner bracket et Link X Zero en loser. Il revient des losers. Ah, il revient de pas si loin que ça. Bah oui, du match contre Naino justement. Voilà, c'est la revanche. Voilà. Est-ce qu'il y a du coup il y a un bracket reset ou non? Ça va être compliqué parce que là le premier match qu'ils ont eu, Naino a été très convaincant contre Link X Zero. Il lui a pas laissé énormément d'ouverture. On va voir du coup justement est-ce que l'agnac du patch précédent va pouvoir leur booster pour prendre le dessus. Rien n'est joué, on va voir ce qui se passe. Venom encore, très bon, voir si le zoning va prendre le dessus ou pas. Et c'est parti, la grande finale, Venom, Sin, Naino, Link X Zero, c'est parti. Allez, c'est en aérien, très bien, Link X Zero qui reprend le dessus, ça passe, c'est bursté direct par Venom. Il reprend la chose, pressing un petit peu, mise en coin, très bien. Allez, chop derrière, ça reprend le côté. En disant coin, il va essayer de s'en sortir. Il casse une croûte, il a raison. Il envoie le Zoni qui prend dessus. Ça envoie derrière. Naino qui s'en sort très bien. Mais ah, ça devait. C'est grand, ça va être vachement serré. Hein. Donc je disais que Sin qui reprenait l'agnac de la victoire précédente. Je pense avoir raison. Mais Venom derrière, le reposer, qui
bien boosté en énergie également. On va voir du coup ce que ça donne. Les deux en défense, très bonne défense de l'un comme de l'autre. On voit la glissade, on voit ses boules. Il y a des boules un peu partout, on va voir si justement ça prend derrière. C'est quoi, il a eu raison justement de jouer contre Jaco, sinon ça paraît d'avoir des plans à son avantage, c'est la chope, mise au point, voilà, c'est Venom qui reprend le dessus derrière. Mise au point, précis. Ah ouais, la garde, chope spé. Non, chope tout court en fait. Chope tout court. Et premier round pour Naino. On envoie. Allez, on va arriver point, très bien. Initiative de Sid, il met la mise au point. C'est repris en chope par Venom. Il fait sa petite face, très bien. Il place en prévision. Ça peut servir plus tard. Voilà, bah, de toute façon, ça vient dans ce coin-là. Donc, il a eu raison de le faire. Ça envoie. Non, Signe reprend dessus. Il casse une croûte. Signe prend du coup. Allez, mise au point. Venom, il se demande bien qu'est-ce qu'il peut placer. Il burst derrière. Il a raison. Il s'en sort. Très bien. Il fait ses placements. Il envoie Seriassi, il fait la glissade, il fait remise au coin. C'est envoyé derrière. Allez, ça c'est fait. La cancel pour aller casser sa croûte. Sinon il aurait perdu trop de temps. Il n'aurait pas laissé le temps de l'autre de se relever. Venom qui reprend le dessus. Burst chez Link Exelo. Il a une super qui permet de faire un petit peu de placement. Oh, c'est pris dans le show overhead. C'est bon. Égalité. Un round partout. Allez, l'égalisation, on envoie derrière. Chop directement, envoyé derrière en coin. Venom qui se fait un bon pressing comme il faut. C'est le saut qui va pouvoir faire en overhead qui passe derrière Silver du coin. Ça c'est très bien placé. Venom qui reprend le dessus derrière. Parfait placement, trop bien vu. Bien vu la balle en bondissement. Comme ça il permet bien de se viser haut. Qui derrière reprend coin, bursté chez Naino. Ça se regarde, il casse une croûte. Sin qui trouve l'ouverture, mais en coin, chargé. Il casse une croûte et il a raison de le faire. Mille mains. La chope de Venom, ça reprend derrière, bursté. Il met la super, ça serait bien, ça le protège un peu. Ça va voir ce qu'il peut faire, hein, ça prend derrière. Premier match pour Link Exelo. Maintenant on confirme ça. Allez, on envoie. Alors, Venom qui essaye de prendre derrière la glissade. Il essaye de le rejoindre, il a raison. Venom qui trouve l'ouverture. Ça te passe. Glissade. Très bien, là il met la main. Mise au coin derrière, il casse une croûte. La balle derrière est Just Defend. Bien joué, il a 27 guard. Just Defend, ça, il y a une qui prend, c'est pas grave. Il a le temps de se relever derrière. Counter. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Glissade, ça prend en coin. Il esquive tout ça. Le zoning est impressionnant chez Venom. Naino s'en sort très, 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 très bien. Le mine complètement qui permet de prendre ce premier round. Allez, deuxième. Le gros slap on the floor. Plaque, un gros slap, il se casse une croupe. Un gros poc, une belle allonge. C'est libéré, alors c'est reste en coin, ça reste en coin, ça aurait pu s'en libérer je pense. Ça reste là où c'est chargé, on envoie, il casse une croûte. Cancel derrière, il essaie de sortir. Ah, inversion de sens, peut-être remise en coin pour Link Exelo. Le zoning fait son effet et voilà la mise en coin, le pressing est là. On va voir comment ça se gère. Très bien, Sin s'en libère, il fait son combo, peut-être va faire le round. Non, toujours pas, la valeur ouverture derrière. Naino qui reprend, il a raison, la chope, mise au coin à nouveau. Pressing est là, pressing est intense, vous trouvez l'ouverture. Très bonne défense gérée. Est-ce que la super ouverture, la défense de Link Exelo, il libère, il fait le slap, les stocks, les mille mains, pour l'ouverture. Ça c'est serré, qui c'est qui va prendre? Premier round. Allez, round final. Allez, on envoie.
Venom qui gère son zoning. Ah là, il gère son zoning direct. La glissade pour se rapprocher, ça touche derrière, mise en coin. Il ne gère rien, il se met bien. Ah, inversion de sens. Plutôt stylé. On envoie bien Venom qui perd ça, c'est bursté. Sur cette prévision, pas le droit de sauter, il va bien en l'air, glissade, c'est bon, regarde. Là, ah, il fait le back dash, on prend le temps de pouvoir lancer une boule, c'est placé l'ouverture, de 2-2, c'est comboté, c'est envoyé, et c'est le premier match pour Naeno. Allez, 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 l'égalisation pour Naeno, encore un match et c'est le tournoi pour Naeno. Ouverture de cible, mise en coin, face à bien les airs, bien. Bien le backdash, bien vu. Casse une croûte, ça permet de garder en garde derrière. L'ouverture, est-ce que la défense va être meilleure? Non, c'est Venom qui reprend le dessus, sort du coin, met ses précisions pour le pressing, mais c'est contré derrière. Très bien, on envoie ses bursts. Sad qui touche pas mais qui permet de pouvoir se rapprocher, ça envoie derrière, c'est Venom qui prend le dessus, l'ouverture, ça hit mais ça combatte pas derrière, c'est pris, c'est bursté derrière, faut qu'il s'en sorte pour sur une ouverture, pour un bon combo, voilà. Chose et non, voilà l'ouverture, très bien, premier round, balle de tournoi si je ne m'abuse, on en... Eh bien tu ne t'abuses pas. Je ne m'abuse pas, c'est bon, tout va bien. L'ouverture derrière. Oh, bien joué, ça la chope. C'est pris derrière, mise en coin. Ça pousse vers le coin tout doucement. Ça fait les envois derrière. Venom qui gère bien sa chose. Elle va le relever, on envoie les boules de billard. La mise au coin, c'est pris derrière, rejected. Ouais, il trouve ses combos, il l'ouvre. Oh, ça reprend derrière. Oh oui, c'est bien vu ça. Mise en garde, mise en garde, mise en garde. Tout est dans la garde. C'est l'ouverture d'une boule, mais il a pu se reprendre derrière. Il casse une croûte et il a raison. Faut bien pouvoir gérer ses combos derrière. Et c'est ouverture de Venom qui burst de Sin, qui trouve ses combos. Ils sont de l'autre côté. Ça ne veut rien dire. On envoie. C'est parti. Glissade. Mise au coin. Et c'est la boule. Et il continue de se battre jusqu'au zéro de vita. Mais là. La boule magique. La boule de lavage. Avec vos vêtements qui. Fait gagner le tournoi pour Naeno, c'est finement joué. Et Venom en effet qui l'a lavé, ça a été un gros tournoi, presque un reset. On voit que les joueurs étaient quand même assez proches l'un de l'autre au niveau du skill, mais après bon bah c'est une grande finale. Hein. Ouais, une grande finale, voilà, c'est dans les règles, tout y est. Hein. Et donc, merci beaucoup Mitsui pour avoir commenté Guilty Gear. Plaisir, première expérience de commentateur, c'était plutôt agréable. Bon bah, si ça t'a plu, hein, c'était sympa. Tout ce alors, qu'on aime. Je voudrais quand même plugger un peu avant de partir du 18 au 20 octobre 2019. Si vous jouez à 2X, il faut venir à Lyon, à la dose, pour le XFB. Venez. Enfin, j'espère que vous avez déjà pris vos places parce que sinon c'est déjà trop tard. Ah, bah voilà, tout simplement. Mais il y a toujours l'an prochain. Dans et puis toute façon, le... alors, public, deux étages, deux bornes, trois jours, deux jeux, du free play, du team voilà. Battle, du solo. On est pour le free play, quoi, voilà, au moins, ça vaut le coup. Il y aura du beau niveau, ça promet. Ah, bah il y aura du beau niveau, oui, il y a des gens qui viennent, il me semble, d'Espagne, du Japon. Donc voilà, c'est tout à fait correct. Voilà, c'est petit tournoi indé. Non, faut venir. Ça va te promettre, ça pourrait être beau jeu. Bah, de toute façon, les éditeurs 2X, ils l'ont lâché depuis un bon moment. On non. Peut pas faire d'autres choses que les tournois indés. Non, voilà. Après 20 ans, ils se sont dit peut-être qu'on va mettre le 3-3 en avant. Allez, c'est parti, ouais, très bien. On fait revive 3-3 à la Bamaman, on sera voilà. Ravis. Mais bon, dans tous les cas, on vous dit au prochain ranking, le 709. Et bah, à très bonne bientôt. Soirée à vous. Et à la prochaine. Ciao.